Nous sommes mercredi et je pars courir dans ce lieu magnifique qui est Agadir. Voilà, c'est la première fois que je vais courir au Maroc. Donc c'est un tout petit run puisqu'il y a le marathon dimanche. Donc vraiment tout petit petit, c'est juste le dernier run, voilà. Donc c'est parti. Bon, je file déjeuner. J'ai 15 minutes pour déjeuner à peu près. Et en la conférence pour vous présenter plus en détail les produits, Kérastase commence. Donc je me dépêche parce que j'ai hyper faim. Hyper hyper faim. Puis bon, les déjeuners d'hôtel. Compliqué hein, de casser les noix d'argan pour récupérer la graine parce que moi on a essayé et on n'est vraiment pas performant. Donc ça c'est la noix, elle la casse ensuite comme ça, hyper efficace hein. Et après hop ça fait donc ça c'est avec ça qu'on va faire l'huile d'argan et ça sent super bon. Donc là après la conférence de ce matin, on a eu un peu le temps pour profiter de nouveau de la plage, tout ça. Et là, on part un peu à la découverte. À la découverte de la région avoisinante d'Agadir et surtout là où sont cultivés, je ne sais pas comment ça s'appelle, les arbres. Où est cultivée l'huile d'argan. Voilà. Comment vous dire, c'est magnifique. En fait, tellement je suis absorbée par le paysage, j'oublie de vous le montrer. Mais c'est magnifique. Et je suis dégoûtée en fait de ne rester là que 2 jours. Les plages sont magnifiques. Les vagues sont trop bien pour surfer. Le matin, c'est parfait pour courir. Non mais voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus quoi? Venez à Agadir, à Essaouira. C'est à 3 heures de Paris, il fait hyper chaud. On est au mois de mars hein. Vous n'allez pas finalement au bout du monde pour une destination du soleil hein. Venez au Maroc quoi. Je vous ai fait une bonne pub pour le Maroc, voilà. C'est nos voisins, donc au final, faut en profiter hein. Là, ce sont des arganiers. Va savoir pourquoi j'ai envie de dire argentier. C'est arganier. On est là pour voir. C'est là où forcément ils ramassent tout ce que les noix d'argan pour faire l'huile d'argan. On a 4 derrière. Le taxi de. On est au Nabil et Babel. Ce que tu demandes de plus, c'est l'été quand même. Hello. Il est très 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 tôt ou très 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 tard. Regardez qui est là. Donc moi en fait je suis encore sur l'oreiller là. Et hop, elle se cache Estelle. En fait c'est celui-là.
Christelle a aussi récupéré sa valise qui fait donc... Combien fait de kilos? Elle fait pas les 15. Non, elle fait 9 kilos. T'auras de la place pour mettre. Moi ça fait 15,8 ou 9. Enfin, genre c'était limite quoi. Prévu, hein. Bon, en fait, Christelle, elle m'a saoulée dans l'avion, donc je l'ai perdue dans l'aéroport. Et finalement, bah, regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Non, en vrai, Christelle, elle est là, on est trois. Et c'est Christelle qui ne savait pas qu'il y avait Anne-Laure. Non, mais elle est folle, quoi. Genre, je dis, bon, ben, on vient d'arriver, il faut que j'appelle la proprio et tout. Et regardez qui est-ce. C'est la proprio là. Elle l'a appelée quoi? Alors moi je lui dis S Conchita. Non, Rosita. Rosita. Pourtant faut que j'appelle quelqu'un et tout pour ouvrir. Et... qui c'est qui a surgi? Anna Lotka. Anna Lotka. Il fait super beau. Et là on va chercher mon dossard. Allô? Ah bah oui, parce que le départ et l'arrivée c'est là. Ah c'est beau hein. On peut s'arrêter en plein milieu, il y a pas de temps. Je pense qu'ils ont déjà dû fermer, c'est pas possible hein. Ah oui, donc les éclaircies quoi. Demain, le départ a lieu sur cette avenue. Et là, on va retirer les dossards. Bon, je vais m'acheter un petit panier aussi. Pour courir le marathon. Alors, le plan de course, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah regarde, le mieux c'est peut-être 21 ou 22 ou 18. Non, 22, je sais pas. Peut-être que tu veux me dire coucou à 18 et que tu viennes courir avec moi à 22. Ça me motivera parce que c'est un aller-retour en plus. Ok. Ouais, celui-ci va être un peu long. Ouais. Donc elle viendra à 18 et... Non, coucou à 18 et tu te mets à... et on court à 22. Comme ça, si tu me rates à 18, t'auras une deuxième chance quand je reviens en fait. C'est obligé. Donc tu fais de 22 à 32. Parce que là, regarde, pour aller de la place Espagna à 22, je pense que t'as facile 5 km. Hein. Ouais. Parce que là t'as 12-13, 13-14, 14-15. Ouais, t'as bien 5 km je pense pour aller là-bas. Et après bah toi Christelle c'est. Moi là. Je mangerai le littoral. Ouais. Tac. Ouais, après toi faudrait que t'arrêtes là 34. Et que tu reviennes là en fait. Et après Moi je te rejoins à 30. Non à 30. Non à 30. Ouais, Selva de Mar. Ouais. Bon, ben comme à Paris, c'est
c'est un labyrinthe, le truc de Barcelone. Regardez-moi ça. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Hop, c'est parti, on prend le métro, direction bah, le resto, choisi par Christelle. Alors, Anne s'est trouvé une nouvelle amie. Fais coucou à ta nouvelle amie. La gêne. Ah non mais c'est génial hein. Donc on n'est pas à Barcelone que pour faire du shopping et courir, on est là aussi pour travailler un peu, pour faire des photos et on a trouvé un lieu magnifique. Regardez Christelle comme elle est contente. Scénario, c'est magnifique, hein, ça va être super beau demain. Ah purée, ah ouais. Oui, ça fait comme le truc à République, comme ouais. Le miroir d'eau en fait. Regardez-moi comme c'est joli. Même là, regardez, on est habillés toutes les deux en sport parce qu'on est allé faire des photos. Voilà. Non, là c'est vidéo. On va manger et on est crevés. Samedi et nous sommes vraiment pile à H-24 du marathon. Il y a quelqu'un d'autre là-bas. Et donc qu'est-ce que je disais? Donc bien sûr je suis la première prête comme toujours. Je rigole. Non mais j'avais une petite priorité sur la salle de bain pour quelques trucs de meuf. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc là, en fait, pareil, bon, le bordel. Qu'on se prépare pour aller faire des photos. Ensuite, les filles vont au CrossFit pendant que moi, je me recouche. Non, je déconne. Non. Pendant que moi, je reviens, j'ai quelques... Ben, du travail à faire, quoi, comme on dit. Et ensuite, on va bruncher. Shopping. Shopping. Ah ben, shopping. Et il faut mettre le bikini sur nous, alors. Plage. Et là, elle se dit, putain, qu'est-ce qu'elle est relou avec son bikini depuis hier. Non, mais si, moi je veux. Plage, et ensuite, ben, on rentre, on fait des courses, on rentre, et on fait une soirée très, ben, boîte de nuit, quoi. On va faire nuit blanche. Non, on va faire une espèce de bonne nuit. Parce que moi, il faut que je me réveille demain à 5h pour manger, que je me recouche et que je me réveille à 7h30. Puis j'y serai à 8h. Mmh. Sur la nuit. C'est bon. Voilà. Faut juste que je fasse pipi. Christelle va faire pipi. Oh, pardon. La tête d'Anne quand elle fait des photos. Bien, voilà. Voici l'inventaire du décor numéro 2. Alors pourquoi on fait du sport? Ben pour faire de belles photos en fait. Shooting terminé, on a les pieds mouillés, mais on a fait tout ce qu'on voulait.
et Anne-Laure a posé en brassière pour la première fois. Voilà, comme quoi on avance toutes. Venir à Barcelone pour qu'Anne-Laure se mette à poil. Hein. Non, mais là, dis donc. Les filles sont parties au crossfit. Donc vous vous en doutez que moi, le crossfit veille de marathon, c'est pas trop possible. Donc là, je suis en train de travailler en terrasse. Plutôt cool, on va dire, comme pour le travail. Et je vous prépare un petit concours d'ailleurs. Voilà. J'irai à me connecter à internet. J'essaie de faire mon lay down comme vous voyez, mais en fait le soleil n'est pas encore au bon endroit. Et puis en plus je me dis, vu qu'on va à la plage cet après-midi, que j'aimerais peut-être bien me faire sur la plage. Voilà, on va voir ce qui est le mieux en fait, on va voir. Et ben aujourd'hui il y a plein de monde pour retirer le dossard. Donc si vous faites le marathon ou le semi un jour de Barcelone, hein, parce que regardez-moi la queue, retirez le dossard absolument le vendredi. C'est ouf! Après j'ai essayé tout ça et ça oui, le reste je suis pas... Ouais, Christelle a un peu abusé hein, niveau achat là. Hein. Moi j'ai rien acheté du tout. Hein. Rien du tout. On est fort, c'est sec quoi. Je me récompense d'avant les ports, voilà. De récompense avant les ports. C'est ça, exact. C'est un nouveau concept, vous devriez essayer, c'est vachement motivant. Achetez les baskets, prenez la médaille avant de faire la course. Je suis désolée. Pardon. J'ai même pas. En fait, j'ai oublié de vlogger parce que bah, on est en train de travailler. Voilà. Et bon, bah alors, le marathon c'est demain. Donc, je mange des produits très consistants ce soir. Avec du riz là, donc là c'est fait. Du pain. Un peu de céréales, ça c'est mon péché mignon. Hop. Et regardez ce qu'est en train de préparer Christelle. Des pancakes à la banane avec deux ingrédients, banane et œuf. Un œuf et pour une banane. Normalement, il faut rajouter un petit peu de cannelle pour donner un petit goût sucré, mais bon, là on va s'en passer. Et puis là, c'est les œufs. On a mis où les œufs à l'œuf? Je les ai offerts. Ça c'est le riz que j'ai mangé. Que Anne-Laure a préparé avec amour. On va prendre les œufs bio. Et regardez, ça c'est pour demain. Parce que ça je peux pas en manger quand même hein, avant. Ça il y a les restes des œufs. Voici mon pancake. Regardez. C'est beau. Mais moi je pense qu'en fait on peut appeler ça un crumble banana. Non, c'est une omelette. Voilà. Omelette banana. C'est super, moi j'aime bien. Et je veux que tu le répètes en entendant omelette, tu sois enjouée quoi. Voici mon omelette banana. Hello. Bon, moi j'ai déjà déjeuné il y a 2 heures. Donc là, pas de petit déjeuner. Mais là, ça déjeune bien. Si tu veux aller aux toilettes. Et ensuite, ben, normalement, je m'habille, c'est bon, je peux y aller. Faut que je sois dans le sas avant 8h15. Donc voilà. Allez. Mission toilette. Best friend.
Que je vais pas trop vlogger parce que voilà, j'ai des douleurs de partout, donc je glace, j'ai des béquilles, tout va bien. Non, plus sérieusement, en fait, au lieu de rentrer à Paris ce soir avec Christelle, je rentre à Montpellier avec mes béquilles, donc ça va être assez drôle ça. Voilà, donc on est en train de prendre des billets de train et on va trouver une solution. Ça va le faire. Bon, c'est vraiment l'aventure. On est à la gare avec mes béquilles. Je transpire comme c'est pas permis. C'est une galère. On attend le train, là il y a Christelle qui m'accompagne. Voilà. C'est dur. Et voilà, je suis rentrée à Montpellier voir ma maman. Regardez, vous la connaissez déjà puisque je vous ai déjà montré ma maman dans des vlogs. D'ailleurs, vous avez bien rigolé à ces blagues. Elle se fait belle, attendez. Oh, regardez, en plus, elle a un t-shirt avec Surf and Sea. Hello.
Bon, je pense que je vais finir ce vlog ici. J'ai un peu oublié hier soir, je voulais vous parler d'autres trucs, tout ça. Donc ça attendra l'autre vlog, puisque je pense qu'il y a eu assez de rebondissements dans celui-ci, on va dire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans l'autre vlog pour... Oh, regardez, j'ai une jambe qui m'a poussée sur l'épaule. Bon, alors j'espère que ce vlog vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu, hop, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très vite, et surtout bonne semaine.